Salut les viewers, c'est Marcus Polus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis, qui a une mise à jour. Donc malheureusement, vous ne l'aurez pas le jour de sa sortie parce que je commence déjà à faire des vidéos d'avance pour tout simplement les 15 jours où je serai absent. Donc on part en... on va voir si les serveurs sont fonctionnels. Normalement oui, oui, ça me semble bon. Parfait! Parfait, donc Battle for Earth, ça implique plusieurs choses. Un nouveau mode de jeu, une nouvelle map et des avatars. Des avatars. Alors, utilité des avatars, zéro, hein, soyons honnêtes. Daily Reward Silver, pourquoi pas, oui, c'est vrai que maintenant c'est à 4, ça peut être intéressant. Puis les Silver, j'ai toujours eu beaucoup de chance dedans. C'est pas le cas aujourd'hui. Ok. Oui, ça doit être ça, l'avatar, j'imagine, ouais, d'accord. Je peux mettre mon propre avatar. Eh bien, écoutez, je vais le faire tout de suite et je reviens, chers amis, à tout de suite. Voilà, re, chers amis, donc on peut voir le petit salut de Starbound. Comme ça, vous pourrez parfaitement bien me reconnaître. Ok, c'est bon. Nous avons un total de flops, oui exact, il était assez bas. Je pense qu'on va prendre un vaisseau qu'on n'a pas pris depuis longtemps. Celui-ci, et on part avec tout de suite, allez, bien tout de suite. Enfin non, pas tout de suite, je suis bête. On va plutôt lancer la game tout de suite. On a un nouveau mode de jeu, attendez, on va plutôt partir sur le nouveau mode de jeu. The Pit Elimination, donc ça, Elimination, c'est bien le... Voilà, il est au milieu, d'accord. Elimination, c'est bien l'ancien Team Deathmatch. Et voici le nouveau Team Deathmatch avec une limite de kill, en fait, simplement. Une limite de kill, c'est-à-dire qu'en fait, suivant le nombre de CPU que vous aurez, vous entrerez dans une partie, comme d'habitude, de votre niveau. Et donc, il y aura un certain nombre de kills à réaliser et pas, en fait, un certain nombre de... Et pas simplement une équipe à tuer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, là, on devra atteindre... les 25 kills par exemple dans une équipe. On repopera autant de fois qu'il faut, mais il y aura un maximum de 25 kills. Voilà. Voilà la chose en question. Bon, en plus on va être sur la nouvelle map. Tant mieux. Wow, jolie. Ah dis donc, elle est vraiment jolie. J'espère qu'elle est performance friendly pour les petits pour les petites configs, honnêtement. Ouais. Ah, c'est long l'introduction au départ. Ok. Je suis déjà fait défoncer. Oh la vache! En train de me faire défoncer, chers amis. Quelqu'un veut bien m'aider? Y'a pas un petit coup de heal à me donner? Hop! J'aimerais pouvoir repop un petit peu. Hop! Oula! Bah alors mes tirs. Ah j'étais retourné, d'accord, bah autre chose. Ok. J'étais complètement retourné. Est-ce que quelqu'un peut bien m'aider? Parce que ces putains de Tesseract devraient pas pouvoir faire ça. Oh la gueule. C'est... Bref. Bref. Ça sert à rien de rager sur les Tesseract, il y en a déjà plein dans notre partie. Oh mais y'a que ça. Regardez ça, y'a que ça dans l'équipe adverse. Raté. Ok. Demi-tour. Hop les, touché. Hop. Ok, on est aussi doué l'un que l'autre, c'est parfait. Alors qui est en avance, d'accord. Hop les.
Hop, ça touche. Ok, on est en train de décrocher. On est en train de décrocher. Laissons le robot reprendre ses marques. Par contre, ouais, non, le nombre de Tesseract rend la partie complètement inutile. Soyons honnêtes, la partie est complètement stupide là. Bon. Hop. Faisons un demi-tour serré. Tu me saoules avec ton Tesseract. Hop. Eh, hey, quoique je pourrais peut-être les battre, hein, les Tesseract. Mais bon. Le problème, c'est qu'ils sont complètement OP. Hop. Merci pour le repop. T'inquiète pas, ça revient. Hop. 6-6, c'est serré, dis donc. Alors, viens-tu? Hop les. Crac. Je vois plus d'ennemis au sol par contre. C'est presque gênant. Presque. Je peux voir justement un ennemi au sol. Ah. Oh. Faut tuer ces racks. Hop. Oh! Et l'autre arme? Ah bah j'en ai plus. Comme ça. Comme ça, comme ça. Si quelqu'un veut bien s'occuper de cette saloperie, s'il vous plaît. C'est, là, ils sont, c'est pas qu'ils sont un peu tous sur moi, mais. Et qu'il y a un peu de ça. Ah non, je suis resté coincé, dommage. Rester coincé, c'est dommage. J'ai fait 0 kill jusque là. Oh, le repop est très rapide, tant mieux. Mais ouais, les Tesseract sont complètement OP. J'espère qu'ils vont s'en rendre compte rapidement. Ah putain, il a une saloperie de heal avec lui. Bah c'est bien, non c'est bien, je suis désolé, ça favorise le jeu en équipe. Ce qui est l'utilité de cette... Non c'est bien, je retire ce que j'ai dit. Mais t'es marrant, rester ensemble, on a pas... ils sont trop nombreux en Tesseract, dès qu'ils font des dégâts à Splatch, on prend tous les dégâts dans le nez. Hop. Musicalement, la musique est vraiment très très bien. Oh, j'ai raté. Touché. Ok. Oh, je l'ai raté à chaque fois. Hop. Voilà. Touché. Aïe. 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 Ok. On a réussi à se mettre à couvert.
Hop. Ah la vache. Toi tu me cherches là. Ok. Ok. Oh putain de Tesseract. Oh t'as déjà repop toi. Ok. C'est pas que ça pue du cul là. Mais un peu quand même. Bon on a clairement pas le vaisseau qu'il faut pour ce genre de game. Ok c'est bon je suis mort. Donc apparemment le Tesseract est le vaisseau à la mode dans ce game mode. Ce mode de jeu. C'est génial. J'aurais pas fait le moindre kill. C'est d'une violence. Oh la gueule. Alors là je suis sur le cul. Team Victory, bah oui tu parles, j'ai rien fait. Rien fait du tout. Bien, bien Marcus. Bon, eh bah ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. Ok. Et donc on gagne quoi là-dedans? Silver, d'accord. J'ai toujours plus de gens dans les silver de toute façon. Rare. D'accord. Ah, on en gagne que 6. Bon, pourquoi pas. Enfin, que 3 quoi, 4. Bon, pourquoi pas. Ok. Ok, ok. Level up, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vais juste vérifier un truc sur celui-ci. Hop, 2, 3, 4. Hop. Ah oui, c'est vrai. Hop. Oh, ça va être compliqué cette histoire. Comment j'avais réussi à les mettre la dernière fois? C'est pas comme ça? Apparemment non. C'était pas comme ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ça devait être ça. Hop. Ok. Oui, je suis stupide. N'hésitez pas à le répéter à vos parents. Je suis stupide. Ok. Et enfin. Ah! Il me manque genre 5 flops, un truc comme ça, 3 flops. Ah! Bon, on va attendre le prochain niveau pour le réutiliser, celui-là. On part avec celui-ci dans le prochain épisode. Écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!